monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, comme d'habitude, ravie de vous retrouver. La vidéo du dimanche où on va, et bien comme tous les dimanches, regarder ce qu'il reste de la semaine passée et faire les enveloppes pour la semaine prochaine. Donc on commence tout de suite avec le classeur de la semaine. Vous vous souvenez, j'ai changé mon budget alimentation pour ce mois-ci. J'ai mis 80 € par semaine pour qu'on utilise un maximum de ce qu'on a dans notre stock. D'ailleurs, j'ai bien vu tous vos commentaires, je vais vous faire cette vidéo sur le stock, promis. Je pense que vous l'aurez la semaine prochaine. Et du coup, voilà, c'est essentiellement, on achète essentiellement produits laitiers, fruits, légumes, voilà. Donc là, 80 €, il n'y a plus rien, voilà, clairement. Comme vous pouvez le constater, mais on n'avait plus du tout de fruits, légumes frais, donc voilà. On n'a plus rien ici. Loisirs, on a encore... au moment où je vous filme la vidéo, mais je vous la filme un petit peu plus tôt que d'habitude. On est vendredi, mais demain matin on va au... Demain en tout cas, peut-être pas le matin, mais demain on va au cinéma. Donc il n'y aura plus, c'est sûr, mais du coup il y en aura les 20 € supplémentaires. Donc je sais même plus, je crois qu'on a 60 € là. Voilà, on aura 80 €, comme ça, ben, au cinéma, et puis on ira manger un petit truc. Enfin voilà, on va profiter de notre samedi d'hiver. D'hiver, j'aurais pas cru, mais... Il reste 20 €, sur les 20 € d'ailleurs, on n'a pas touché. Donc ça c'est super cool. Et restaurant, on a encore les 80 €, entretien, plus rien, et défi 5 €, j'en ai pas eu. Donc je vais mettre tout de suite les 20 € dans mon enveloppe extra. Hop, et comme vous pouvez, je pense l'entendre, je suis encore malade. Donc, faut pas m'en vouloir si je bug, si... Voilà, bref, pas mon vouloir. Et d'ailleurs, je vais pas fermer parce que je vais remplir maintenant mes enveloppes de la semaine. Alors vous savez, je retire tout chez mon budget pour le mois. Ensuite, le total que j'ai, je le divise par 4 semaines, toujours par 4 semaines. Même quand il y en a 5 dans le mois, je divise toujours par 4 semaines. Et éventuellement, la 5e semaine, c'est une semaine blanche, mais je fais toujours comme ça. Et puis ensuite, je mets tout ici et... Une fois par semaine, je mets le budget pour une semaine dans mon classeur de la semaine. Et donc là, alimentation, eh bien je vais prendre 80 € pour cette semaine et je remets le reste ici. Hop. Ensuite, loisirs, donc là, 20 € par semaine. Je prends donc les 20 €, ce qui nous fait 80 € pour notre petite journée de demain. Ça va être sympa. Et d'hiver, 20 € également. Hop. Ça, c'est toujours 20 €. Donc, on utilise, qu'on n'utilise pas, j'en ai à 0. Ça nous suffit comme ça. Restaurant, je ne rajoute rien. Et des entretiens non plus. C'est le budget du mois. Et défi 5 € évidemment. Je ne le remplis pas comme ça. Donc voilà les amis, le budget de la semaine est déjà terminé, c'est super rapide, plus d'excuses, allez-y, faites votre budget. Je vous remets encore une fois la vidéo sur comment démarrer dans le petit i, et si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir toujours un appui, un support, ou bref, sachez que j'ai écrit un livre pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui est sorti fin août et qui est toujours dispo, en fait, qui est revenu, ça y est, en stock. Normalement, il est de nouveau dans toutes les librairies et sur, en ligne ou physique, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, sinon, j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Donc, vous trouverez forcément réponse à vos questions. Et sinon, vous voulez poser vos questions en commentaire et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse parce que j'arrive plus à parler. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !